Bon, Dani, d'abord, deux petits mots sur cette défaite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner à l'extérieur? Je crois que pour gagner à l'extérieur, il faut prendre un match en main le même que de prendre un match à la maison. À mon avis, on s'est mis un peu sous pression pour cette match. J'ai dit tout le temps, on ne peut pas vivre en un passé, il faut vivre en le futur. Il faut arrêter de... Ils ont fait ça l'an dernier, ils ont fait ici. C'est à nous de prendre en main, c'est comme ça de gagner un match. Ouais, il y a une déception quand même. Hein, parce que... Oui, il y avait une déception quand même. On a rentré le match en pensant... Le manque dans le dos, on n'est pas profité, on tapant dans leur camp. Et faute à la main, on a toujours les petits passes, les petits 5 passes 50 dans 50 qui ne marchent pas. Et quand on traverse le terrain, on est toujours tout seul, on arrive un peu plus tard, ceux qui nettoient, ceux qui font les déblayer, ils ont juste un peu en retard. C'est comme ça qu'on fait trop de pénalités. Ouais. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle. Pas plus du match, mais un petit peu de Dani Sleiman, parce que quelle carrière de rugbyman. Et quand on nous a dit à l'intersaison que Dani Sleiman allait venir à Bagnères, on s'est pensé un petit peu, on n'y croyait pas trop. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici? J'ai passé déjà, j'ai arrivé en France en 2006, et ça nous plaît d'être de dessous de France. On n'aime pas, c'est pas bon de le dire, mais on n'aime pas le nord. Mm-hmm. On se plaît bien dans le sud. Après 2 ans que j'ai passé à Pau, on a dit bon, je vais jouer un peu plus encore jusqu'à 40 ans. Il m'a resté un autre 1 an et demi. Ouais. Donc j'ai jusqu'à là et j'ai dit bon, je n'ai pas fini encore. Ça, si les jours il faut que je me lève, j'ai dit bon, j'ai fini, ça va être malheureux encore. C'est toujours un sport que j'aime depuis 6 ans, j'ai joué à 31 ans et je vais rappeler maintenant à 32 ans quand même. Ouais. Et d'arriver à Bagnères, c'est un truc qui est déjà en place 1 an. J'ai passé un week-end de golf, j'ai parlé un peu avec le président Jean-François et en pensant que ça ne va pas arriver, un coup j'ai un coup de téléphone de Dries. Ouais. Il m'a dit bon, Dries Van Yerden, si tu étais dispo encore, tu peux venir à Bagnères. Et comme ça on est arrivé à Bagnères. Ouais. Bon, bon. Et toute la famille est arrivée et les fistons ils jouent aussi. Ah oui, il y a les deux qui jouent. L'un qui est 18 ans, il joue 12e, 3e ligne, le petit, il est 14 ans, il joue 3e ligne aussi. Tous les deux à Bagnères, tous les deux de cœur de Bagnères. On discutait le week-end dernier, j'ai demandé à eux qu'est-ce qu'ils se pensent de Bagnères. Ils m'ont dit bon, à Pau, c'était un peu qui tu es, tu vas jouer en force qui tu es, mais ici il y a tout le monde qui. C'est familial, c'est ouais. Super bien. Ouais. Comment vous vous sentez ici? Très bien, ouais, on est trouvé, on se plaît bien, mais en forme. Au début, on se croyait, c'était un petit vol, mais il y a toujours un truc à faire, il y a toujours le monde en ville, on se croisait, on commence à parler, tu arrives à boire un café avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais en partant là, c'est un nouveau ami, c'est super bien. Ouais. Oh, tant mieux pour nous, ouais, et oui, pour vous aussi. Oui, bien sûr. Merci Dani. Avec plaisir.